الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في كتاب الشرح القويم على الصراط المستقيم، صحيفة 595. يقول المؤلف رحمه الله: فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي. Alors, Cheikh Abdullah, dans son livre الشرح القويم على الصراط المستقيم, il a dit, puisqu'on parlait de l'mujtahid, le jurisconsulte qui remplit les conditions, il a dit, et il y avait des gouverneurs qui ont été dans le niveau de l'ijtihad, comme Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, عثمان بن عفان الحسن ابن علي بن ابي طالب عمر بن عبد العزيز et le juge شريح était encore dans le niveau de l'ijtihad. الشرح افهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه المرويه عنه ان الناس قسمان، قسم يروي الحديث عن رسول الله فقط من غير ان يعرف ما يدل عليه هذا الحديث من الاحكام وهم اكثر الناس، وقسم يعرفون ما يدل عليه هذا الحديث من الأحكام وهم الأقل، وهذا القسم هم المجتهدون. On a compris de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il a dit رب مبلغ أوعى من سامع. Le prophète a dit que certains à qui on transmet le hadith, ils seront plus aptes et plus capables et plus intelligents de déduire le jugement que celui qui l'a entendu de la part du prophète directement. Alors, dans ce hadith, le prophète nous a parlé que certains qui entendent le hadith, leur part, c'est le fait de transmettre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le niveau de l'ijtihad. Et des fois, on transmet à des gens qui sont dans le niveau de l'ijtihad. La plupart des gens, ils ne sont pas mujtahidines. La plupart des gens ne sont pas mujtahidines. Et très peu, la minorité parmi les gens, sont ceux qui sont arrivés au niveau de l'ijtihad, qui arrivent à déduire le jugement. وليس شرطا أن تكون اجتهاداتهم متفقة في كل المسائل بل تختلف اجتهاداتهم في كثير من المسائل وفي ذلك رحمة وتسهيل للعباد. Lorsqu'on dit que oui, le mujtahid il fait un effort, il déduit des jugements, c'est pas une condition que l'ijtihad de al-mujtahidin soit tous la même chose. Ibn Abbas, il a fait l'ijtihad à certaines questions au niveau de l'héritage, c'était différent de l'ijtihad de certains d'autres. الشافعي il a fait l'ijtihad au niveau de الطهارة والصلاة et son effort était différent de l'ijtihad de Abu Hanifa رضي الله عنه. Alors c'est pas une condition que leur ijtihad soit en conformité dans les détails mais plutôt leur divergence dans l'ijtihad c'est une clémence pour les gens. وأما دعوة الألباني أي إنسان أن يعلم بحديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ففيه أو فيها تشجيع العوام على ترك العمل بما عليه أهل الاجتهاد والعمل بما يميل إليه قلبه، وهذا ليس استفتي قلبك، هذا إذا كان مع القواعد، ما عندك العلوم وعندك القواعد، أما ليس من دون علوم وقواعد. Alors lorsque l'Albani il a dit oui tu consultes ton cœur et tu fais ce que ton cœur a trouvé bien. Ça, il s'agit de celui qui a la science, qui a les moyens, qui a il y a les niveaux, et il regarde dans les preuves et les arguments, et par la suite, il suit son cœur. Après qu'il a consulté les règles, c'est pas sans savoir, je consulte mon cœur sans avoir de science. Ça, c'est le fait que l'Albani a dit ça à des gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas la science, et ils leur disent, consulte ton cœur, c'est un appel à l'ignorance, c'est un appel à prendre des fatwas en délaissant les mujtahidin, en délaissant le savant. Et Allah Ta'ala a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Subhanahu Ta'ala a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ أَهْلَ الذِّكْرِ يعني أهل العلم, les savants de la science. Si tu ne sais pas, tu les consultes. ولا يخفى أن العمي قد يميل قلبه إلى ما يخالف شرع الله. C'est pas quelque chose qui est caché que beaucoup parmi la masse des musulmans qui n'ont pas assez de science, ils pensent des fois à ce qui est haram. Ils penchent son cœur à faire ce qui est interdit, à contredire la religion.
فكيف يترك فتوى المجتهدين المعتبرين ويعمل بما تميل إليه نفسه؟ Comment on délaisse la réponse des imams, des muftis, des gens au niveau et on délaisse leur fatwa et oh, je consulte mon corps. وهذا الحديث كان الخطاب فيه لواصب بن معبد وهو من مجتهدي الصحابة. Cette parole استفتي قلبك. Le prophète a dit cette parole consulte ton cœur. C'était le compagnon qui s'appelle Wabisa ibn Mu'abad. Et lui, il était mujtahid. Le prophète a dit consulte ton cœur. Et lui, il était dans le niveau de l'ijtihad. Il est un grand compagnon qui a la science. فوابصا ومن كان مثله هو الذي يأخذ من شرح به قلبه وابصا et ceux qui sont à son niveau علي بن أبي طالب أو بكر الصديق عمر عثمان ابن عباس c'est les gens qui sont au niveau de l'ijtihad c'est eux qu'ils penchent et qu'ils prennent en considération ce que leur cœur a penché mais pas celui qui n'a pas de science qui n'a pas de les règles et les moyens de savoir. وإلا هذا يؤدي إلى الفوضى. Si quelqu'un, chacun de nous consulte son cœur, il y avait quelqu'un un jour, il vient ici, tu vois, le Zohr, il est à 1h37. Moi, j'ai vu quelqu'un qui vient à 1h20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il fait beaucoup de prières. Et une fois, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu pries? Il m'a dit, je fais le Zohr, le Asr. Mais j'ai dit, même pas le Zohr n'est pas rentré. Et cette prière n'est pas valable. Chez tous les savants sur cette terre, de l'Est à l'Ouest, depuis la Chine jusqu'à l'Amérique. Tu as fait le Zohr avant le Zohr, tu as fait le Asr avant le Zohr. Il m'a dit, parce que je travaille à la COP, je dois être là-bas 1h30 là-bas. J'ai dit, mais tu dois me consulter, tu dois te poser la question. Au minimum, je te dis, à quelle heure tu quittes le travail? À 18h. Et en été, à 18h, pour le Maghreb, il y a encore 3h. Alors au minimum, j'ai dit, si vraiment tu travailles dans le halal, tu retardes le Zohr pour faire avec le Asr. Mais tu fais le Zohr et le Asr avant le Zohr. Ça ne va pas. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas un imam qui dit, mais si tu as retardé le Zohr pour faire avec le Asr. L'imam Ahmed a dit, s'il y a une excuse, Ibn Abi Layla, il a dit, si tu n'as pas pris ça en habitude, Ibn al-Munzir a dit, yani certains imams ont dit, suite à certaines excuses, besoins, tu regroupes, tu fais le Zohr 4, tu ne fais pas 2, tu n'es pas en voyage, tu fais le Zohr 4, le Asr 4, mais tu as fait le Zohr dans le temps de l'Asr, et tu vois, si tu es malade ou en voyage, on peut faire le Zohr dans le temps de l'Asr, ou l'Asr dans le temps de Zohr. Mais faire le Zohr et le Asr avant le temps de Zohr, alors ça ne marche pas du tout. Mais lui, il était en train, lui-même, il a répondu, moi je travaille, Allah sait que j'ai une famille, je dois travailler pour nourrir ma famille. Oui, et tu fais la prière comme ça, tu as consulté toi-même, et tu fais sans poser la question. هذا لا يصح هذه فوضى ça c'est le désordre ça c'est le désordre c'est pas comme ça consulte les gens de la science dignes de confiance أهل العلم الذين لهم أمانة et écoute leur réponse et si tu n'as pas été à l'aise tu consultes un autre ou un troisième jusqu'à que tu dis voilà j'ai consulté plusieurs personnes parmi les gens dignes de confiance et ils m'ont donné la même réponse. قال الأفوه الأودي شعرا لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. Il a dit que les gens ils peuvent pas vivre comme ça dans le désordre sans avoir des guides et ils n'auront pas dans la guidée et dans un bon état si c'est les ignorants qui dirigent. Yani, il faut des dirigeants et des dirigeants qui ont la science et qui ont l'équité et certains attributs. ويعلم أنه ليس كل من سمع حديثا أهلية ليس لكل من سمع حديثا أهلية الاجتهاد أي استنباط الأحكام من قول عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Tu vois, on comprend très bien de la parole de Sayyidina Muhammad dans le hadith rapporté par Tabarani que ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est un mujtahid. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui a entendu ma parole et qui l'a transmis comme il a entendu. Et puis il a dit
parce que c'est possible que quelqu'un porte la science, mais lui-même, il n'est pas faqih. Il rapporte la parole, il a appris la parole, lui-même, il n'est pas faqih pour déduire le jugement. Et dans une autre version, Tirmidhi l'a rapporté, que c'est possible que quelqu'un qui porte la science, qui transmet, à quelqu'un qui a plus de science que lui. C'est-à-dire le premier, il a entendu, mais il n'arrive pas à déduire, et il a transmis à quelqu'un d'autre. Le deuxième, il était capable de déduire le jugement. De là, vous voyez Ibn Sirin, Hassan al-Basri, Saïd al-Musayyab, Atta ibn Abi Rabah. C'est des gens qui étaient parmi les élèves de Sahaba, étaient des grands savants. Ils ont pu déduire des jugements de la part des paroles qu'ils ont entendues de Sahaba. Et beaucoup parmi Sahaba, ils n'étaient pas dans l'ijtihad. Le Sahaba, c'est des milliers. Et les mujtahidin, ça a été rapporté qu'ils étaient à peu près 200 parmi Sahaba, 200. وقد أفهمنا الرسول عليه السلام بذلك أنه قد يسمع منه الشخص الحديث المتضمن أحكاما ولا يكون عنده أهلية الاستنباط ويحمله إلى من هو أفقه منه أي من له أهلية الاستنباط. C'est-à-dire, on comprend de la parole de notre prophète عليه الصلاة والسلام qu'il y avait des gens qui entendaient le hadith, qui entendaient le hadith, qui renferment des jugements, mais ils n'avaient pas la potentialité, la capacité de déduire les jugements, mais ils transmettent à quelqu'un d'autre qui est capable de déduire les jugements. وفي قوله عليه السلام رب حامل فقه ليس بفقيه دليل على أن الذين لا يستطيعون أن يستخرجوا الفقه من الحديث أكثر من الذين يستطيعون رب حامل فقه ليس بفقيه يعني كم beaucoup parmi ceux qui entendent qui apprennent par cœur mais ils ne sont pas des fuqaha, ils n'ont pas la maîtrise pour déduire les jugements. Et la plupart des gens sont comme ça. La plupart des gens, ils entendent, ils ont appris par cœur, mais ils n'arrivent pas à déduire les jugements. فمن ثم كان بعض الصحابة مقلدين, يعني certains compagnons, ils suivaient d'autres qui sont مجتهدين parmi eux. Certains compagnons, ils écoutaient ce qu'ils disaient les autres compagnons qui ont la science. وهذا موافق لقول النحويين رب للتكثير كثيرا. Le mot رب, c'est pour dire c'est beaucoup, beaucoup parmi les choses. C'est pour dire que c'est très beaucoup que ça arrive, telle chose. رب, le mot رب, c'est pour donner la pluralité, mais nombreuse, يعني, vraiment. ويكفي شاهدا لذلك أن أكثر المحدثين والحفاظ هم مقلدون للشافعي أو حنيفة أو مالك أو أحمد. Regarde. La plupart de ceux qui ont appris le hadith par cœur, parmi ceux qui transmettent le hadith, la plupart de ces sons-là, ils suivaient soit Shafi'i, soit Malik, soit Abu Hanifa, soit l'imam Ahmed, malgré qu'ils avaient beaucoup de hadith dans leur cœur, mais ils n'étaient pas au niveau de l'ijtihad. وما أكثر من يكون مقلدا للشافعي من الحفاظ فإن الحفاظ الذين يقلدون مذهب الشافعي أكثر الحفاظ. La plupart de حفاظ الحديث qui ont appris le hadith par cœur et suivaient l'imam Shafi'i. La plupart de ceux qui ont maîtrisé le hadith et suivaient l'imam Shafi'i. فمن أين المثل الألباني دعوة الاجتهاد والاتفاق في فهمه. Alors, d'où l'Albani, il prétend que lui, il est mujtahid et il dit, voilà, je consulte mon cœur, ce que je comprends. Et lui, il n'a pas appris 10 hadiths par cœur. Il n'a pas appris 10 hadiths par cœur. Et le Wahhabiya, ils disent, رواه البخاري صححه الألباني. Al-Bukhari l'a rapporté, c'est l'Albani qui l'a considéré juste. Al-Bukhari, on rapporte qu'il a appris 800 000 ou 1 million de hadiths avec ce qui est juste, ce qui est faible, tout ça. Il a à peu près des centaines de milliers. Et l'autre n'a pas appris des hadiths. Et c'est lui qui juge, est-ce que c'est hadith sahih ou non? Mais c'est quoi ça? On vit où? Aïna na'ish nahnu. Wa wa la'ahfad 10 hadiths b'asanidiha. فإذا كان الحافظ الواحد يحفظ 100,000 حديث باعتبار كثرة أسانيد الحديث الواحد يعني دي فوا الحافظ إلى أبخي إلى أبخون باركور 100,000 حديث dans le sens qu'un seul حديث il aura plusieurs lignées. C'est pour cela on dit 100,000. Tu vois, parce qu'un حديث دي فوا il aura 10 lignées, 10 chaînes. وقد يبلغ عدد الإسناد إلى 20 أو أكثر يعني دي فوا un seul حديث إلى 20 chaînes. Il a été rapporté par un tel, par un tel, par un tel. Et il a appris tout ça. Les noms de chaque hadith, comment il est venu.
فباعتبار تعدد هذه الطرق والأسانيد يقال إن فلان الحفاظ حفظ 100,000 أو أكثر. De sens, dans ce sens-là, que chaque hadith est rapporté par plusieurs chaînes, on dit oui, tel hafz a appris plus que 100,000 hadiths. Sinon, on dit le hadith qui sont juste à peu près 30,000. Al hadith sahiha, taqrib, qarib, proche de 30,000. وهذا الألباني لم يبلغ رتبة المحدث. الألباني إني با au niveau de on dit محدث non il n'est pas dans le il lit dans le livre oui mais il n'est pas محدث. وقد شهره من لا يعرف حقيقته باسم المحدث. Certains disent محدث الألباني أو ils disent الحافظ الألباني. Il lui il n'est pas محدث. هو اعترف بأنه لا. Oh lui il a dit moi je suis pas حافظ. Il a dit moi je rapporte en s'appuyant sur le livre. وقد جعل الله تبارك وتعالى في كل زمان مجتهدا لا تخلو الأرض منه. يعني الله تعالى fait que sur cette terre toujours il y a un savant dans le niveau de l'ijtihad toujours. فقد روى كميل بن زياد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه. كميل a rapporté que سيدنا علي a dit la terre n'est jamais vide d'un savant qui est capable d'argumenter, de donner la fatwa avec les arguments. يعني toujours il y avait un mujtahid même si vous vous connaissez pas mais il y aura toujours. وصحح الفقيه الأصولي الزركشي أنه لا يخلو العصر من مجتهد. الزركشي a dit toujours à chaque époque il y avait des savants de l'islam qui sont au niveau de l'ijtihad. خلاف ما اشتهر عند الناس أن بعد المئة الرابعة انقطع الاجتهاد. Certains ils disent oui après le 4e siècle il n'y a plus de mujtahid. Ça c'est pas juste. Certains ils pensent comme ça mais c'est pas juste. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.